comme ça, papa. Voilà, bien-aimés, nous vous bénissons dans le nom souverain de Jésus. Je suis dans la ville de Ngaoundéré. Nous sommes dans la ville de Ngaoundéré et nous sommes dans la joie d'être dans votre ville. Que le Seigneur vous bénisse. On a été accueillis par une bonne délégation. Excusez. Ça a été très compliqué le voyage, hein. Vraiment, vraiment compliqué. Presque 20 heures de temps de voyage. Je ne savais pas que le voyage avec le train était devenu aussi pénible que ça. Donc, je pense que les prochaines fois, on ne pourra plus voyager par train. Pas du tout. Parce que la délégation qui a voyagé, qui est venue par voie routière, qui était à 6 heures, ils sont arrivés à 15 heures. 15 heures, ici dans Ngaoundéré. Donc, nous bénissons le Seigneur pour la sécurité pendant le voyage, mais sincèrement, c'est pas facile. Le patron, je me disais que je serais arrivé à 7 heures, le temps de me reposer et tout. Bon, mais là, il n'y a plus le temps de se reposer, quoi. Donc, tous les habitants de Ngaoundéré, vous êtes informés. Nous sommes dans la ville et je n'ai que 2 jours dans cette ville. 2 jours. C'est quand aujourd'hui, c'est mercredi. Au Alarba. Andé à l'arba et puis Django à la Misa qui dit de fou Ndjam du Djoy. Non, ça va. Ndjam du Djoy à Onaref. L'église est située à Onaref, vers les logements sociaux, c'est ça, non? Les logements sociaux, là, c'est même quoi? C'est des bâtiments qu'on a construits. Et on loue, on fait comment? Il loue déjà ça. Tout est occupé. Quand tu es chef de terrain, tu n'as pas l'information pour que tu fasses comment. Est-ce que les gens me suivent? Donc nous sommes arrivés en Ngaoundéré et Dieu va faire des choses extraordinaires. Dieu se manifestera avec puissance pendant ces 2 jours. C'est 2 jours de délivrance prophétique. 2 jours où les œuvres du diable seront vaincues et renversées. La main de Dieu se manifestera. Nous sommes dans la province de l'Adamawa, c'est-à-dire le Grand Nord. Dieu veut se manifester. Vous êtes dans la ville de Ngaoundéré. Vous êtes autour de Ngaoundéré. Ne manquez pas. Ne manquez sous aucun prétexte. Je vous assure, ça sera redoutable ce soir. Je suis venu ici pour détruire les œuvres du diable. La Bible dit le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et je prie que le Seigneur fasse de moi un instrument de grâce et de bénédiction pour vous, chers habitants de Ngaoundéré, et pour vous qui serez connectés en direct. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Donc je suis avec le pasteur de Ngaoundéré en réunion à huis clos. Dis-nous alors, c'est comment ici? Le programme, ça s'est préparé comment? Bien-aimé dans le Seigneur, tout est déjà prêt pour le grand programme tenu par le superviseur général des assemblées, Rima Ministre Mission au Cameroun, en Afrique et partout dans le monde, notre père, le révérend prophète Ferdinand Ekané. Bien-aimé, tout est prêt, ne manque pas ce programme. Tout est à l'heure, à 16 heures, notre père sera là. Comme vous le constatez, il est déjà en Ngaoundéré, il est déjà logé. Donc ne manque pas ce programme. Quelles qu'en soient tes occupations, s'il te plaît, laisse. Un prophète a touché le sol de Ngaoundéré. Toi qui as longtemps cherché la solution, toi qui as longtemps souffert des maladies curables et incurables, un prophète est en Ngaoundéré. Viens et tu auras ta guérison au nom de Jésus-Christ. Ok, est-ce que les appareils, ça a été bien réglé? Ils sont en train de travailler. Il y a Yolande et Daniel. J'ai dit à Daniel que même s'il y a n'importe quelle situation là, il y a tout est là. Il m'a fait juste un coup de fil et je résous ça. Et si la sonorisation, elle a été bien fixée? Ils sont en train de travailler sur la sonorisation. Actuellement, donc, je suis en train de parler. C'est quoi? C'est qui? Il y a Samy. Samy? Le frère, pas Samy le pianiste. Mm-hmm. Il m'a dit que vous connaissez. C'est à vous, c'est à lui que j'ai lu les appareils. Il est là sur le terrain, il est en train de travailler. D'accord. Parce que le son, c'est quelque chose d'important. Oui, papa. Pour un programme comme celui-ci-là, le son, c'est important. Et la chorale, essayez votre chorale à répéter. Papa, ma chorale a répété moyennement. J'ai eu des petites difficultés avec la chorale, mais cela a été rapidement résolu par votre arrivée.
Il y a la sœur Simone qui est préparée avec Giovanni. Oui, il y a Giovanni. Et la sœur Marie. Et papa. Voilà, c'est celles qui ont travaillé. D'accord. Demain matin, j'irai en retraite sur une montagne. Et papa. Je vais trouver une montagne, je vais aller prier. Et papa. Mais après la retraite, je pense que. C'est qui? Après la retraite, on va tenir une réunion avec tous les responsables de l'église, au niveau de l'église. Voilà ce qu'on va faire. C'est qui? Ma valise était où? Ne va donner toutes tes valises avant de monter. Voilà, bien-aimés de Ngaoundéré, nous sommes là dans votre ville, à l'Adoï du Mondjour, en Ngaoundéré, dans la haute d'Irikadi, qui est dans le Ndjam de Dieu. L'église à Onaref. Le papa, Onaref. face logement sociaux. Face logement sociaux Onaref. Ngaoundéré, on va rendre le Bekadi. To Adonia, to Beshirima, en cas de problème, il faut avoir un mentor dans le Bema. Alors, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que gagno be ma pat alla tammi min holdo go mon moy hakkunde sobiraɓe ma moy on do jala be ma dum Moussa be ma mayi dama de bernde mako. Nous allons voir cela. Les sciences prophétiques seront révélées, manifestées encore ce soir dans la puissance de Jésus-Christ. Donc, je vous attends très très nombreux. Mido mari balde didi à l'arba et à la misa qui est de fond jam di nay on wara kadi tata on wi ami chaimo Allah wana mon barka. Que Dieu vous bénisse au nom précieux de Jésus. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta difficulté, fais confiance en Jésus-Christ et puis viens. Viens tout simplement, sois là. Et la main de Dieu sera dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Nous avons, je pense, Ngaoundéré, c'est la première ville où nous avons conçu la première chapelle. Voilà. Donc, nous bénissons Dieu pour cela. Sois là ce soir à partir de 16h. Dieu te bénisse. Bye. Shalom.